Ça, c'est l'ali, l'ali la licorne. Alors, d'où est-ce que ça vient, la licorne? Donc, un animal très à la mode en ce moment, et on, plus on le voit à travers la littérature ou surtout le cinéma. Alors, d'où ça vient? Donc, au 6e siècle avant Jésus-Christ, donc Ctésias, qui est un médecin grec à la cour de Persépolis, donc Persépolis, c'est en actuel Iran, donc entend parler d'un animal donc, qui ressemblerait à un âne et qui viendrait d'Inde, et cet animal donc aurait une corne sur la tête. Donc il en fait la description, et cette description va être reprise sous l'Empire romain par Pline l'Ancien, pardon, dans Histoire naturelle, et donc il va en faire une description. Le texte de référence de Pline l'Ancien va être repris au Moyen Âge, au moment où on redécouvre un petit peu les textes anciens, et dans un ouvrage qui s'appelle Physiologus, qui fait un bestiaire finalement, donc qui reprend différents animaux avec leur description. Et dans cette description de la licorne, on explique que c'est un animal relativement dangereux et que pour le capturer, bah, il faut avoir une vierge parce que cet animal serait attiré par les vierges. Et donc va progressivement associer l'image de la vierge, de la pureté à l'animal de la licorne. C'est pourquoi l'animal va être représenté de plus en plus donc en blanc et va revêtir un petit peu cette image chevaline. Les scientifiques vont progressivement se poser des questions sur la véracité et l'existence de ces licornes. Et au XVIe siècle, il va y avoir tout simplement un trafic de licornes, un trafic de cornes, de licornes, et ces cornes ne sont autres que la corne du narval, donc un mammifère marin originaire du Groenland. Et donc il va y avoir un trafic de cornes. Et donc il y a encore toujours un petit peu l'espoir avec les grandes découvertes et puis même avec les explorations du XIXe siècle de trouver des licornes et même des récompenses qui seraient offertes si on trouvait une licorne. Et finalement, bah, on se rend compte que cet animal est qu'un animal légendaire. Mais il y en a quand même. Hein. Elle existe. Elle existe. La licorne est avec moi.